Coucou, j'espère que vous allez bien en cette période de reconfinement. Je vous propose une séance spéciale fesses avec une série d'exercices pour les muscler et lisser la cellulite. Asseyez-vous sur vos fesses, genoux pliés à largeur du bassin. Placez une main sur chaque genou, on va venir creuser son dos, baisser les épaules, lever le menton, puis arrondir le dos, aspirer le nombril et rentrer le menton. On recommence, faites-le à votre rythme, prenez le temps de vous détendre, d'inspirer et de souffler, et fermez les yeux si vous le souhaitez. Puis, venez vous allonger tranquillement sur le dos. Gardez vos jambes pliées à largeur du bassin. Pour commencer, on va lever les bras au-dessus de sa tête et décoller son fessier. Contractez bien vos fesses et rétroversez le bassin. Puis redescendez votre bassin, puis votre fessier et rabattez vos bras. Et on recommence. On lève ses bras et son fessier. On rétroverse bien le bassin et on contracte ses fesses. On effectue 5 répétitions au total. Puis on reste en haut. On contracte, on gaine, on reste ici 10 secondes. On vient rallonger les bras le long de son corps, puis on reste en l'air et on enchaîne avec 10 rebonds. On rebondit et on souffle. Puis on repose à peine le fessier, on enchaîne avec 10 grands soulevés. On soulève, on contracte à fond, puis on redescend, on effleure le sol et on remonte. Vous pouvez décoller vos doigts de pied pour intensifier l'exercice et davantage sentir la contraction. On va rester en l'air, serrer bien les fesses, toujours resserrer un peu vos pieds et on va décoller notre jambe droite et venir la tendre ainsi que la pointe de pied vers le ciel. Si votre jambe est un peu fléchie, ce n'est pas grave du tout. Et c'est parti, pied flex, on descend la jambe, on tend la pointe de pied, on plie et on remonte la jambe. Pied flex, on descend la jambe tendue, on tend la pointe de pied, on plie la jambe et on la remonte. Et ainsi de suite, on enchaîne pour 10 répétitions. Ça brûle les fesses, c'est normal. On inspire. Et on souffle, on contracte bien le fessier, on reste le plus haut possible. Dernière répétition et on garde la jambe en l'air, pointe de pied tendue. Et hop, on fait 10 rebonds ici. Respirez bien, tenez bon, gardez le fessier bien haut. Ne reposez pas le fessier, on va enchaîner avec 10 grands battements. Pied flex à la descente, pied tendu à la remontée. On inspire et on souffle. Votre ventre est serré, les abdos sont contractés. On travaille aussi notre ventre plat au passage. Rabaissez votre fessier, puis votre jambe. On va se tourner et venir s'allonger sur le côté droit. Installez votre tête sur votre main droite, puis venez placer votre main gauche au niveau de votre poitrine pour gagner en stabilité. Pied flex, c'est parti pour 10 grands battements. Votre pied gauche est dirigé vers l'intérieur pour bien faire travailler le fessier. Vous devriez le sentir. Si votre pied n'est pas dirigé vers l'intérieur, vous ne sentirez pas votre fesse travailler de la même façon.
Rallongez vos deux jambes et venez les plier à 45 degrés, à peu près. Gardez les pointes de pied collées. On vient simplement décoller le genou gauche. Nos cuisses s'écartent, on travaille la fesse gauche à chaque ouverture. Vous devriez le sentir. Serrez le ventre pour un meilleur équilibre. Vous allez basculer et vous placer à quatre pattes, paume de main bien enfoncée dans le sol, ventre rentré. C'est parti pour le côté gauche. On fait le chien à l'arrière pour 10 répétitions. Pointe de pied tendue, à chaque soulevé, on force la contraction du fessier. On enchaîne avec 10 répétitions sur le côté, toujours même jambe gauche. On lève bien le genou, on commence à sentir le fessier qui brûle. On ne repose pas la jambe, on poursuit avec côté, arrière, puis on revient. On fait le chien sur le côté, puis on bascule à l'arrière et on revient. 5 répétitions en ce sens. Puis on inverse, chien arrière, on rabat sur le côté et on revient. Arrière, côté et on revient. 5 répétitions. On va refaire ce circuit du chien du côté droit. C'est parti, on fait le chien à l'arrière avec la jambe droite pour 10 répétitions. Pensez à bien gainer vos abdos, inspirez, essoufflez. On force la contraction de la fesse à chaque remontée. On poursuit avec le chien sur le côté, comme tout à l'heure, pour 10 répétitions. On continue avec les cercles, côté, arrière, puis on revient. Côté, arrière, puis on revient. Chaque fois dans ce sens. Avant l'autre sens pour 5 répétitions. Arrière, côté et on revient. Arrière, côté et on revient. On va passer au circuit sur le côté, on s'allonge donc sur la gauche. Tête dans notre main gauche, on vient placer sa main droite au niveau de sa poitrine pour plus d'appui. Et c'est parti pour les 10 grands battements, pieds flex et jambes tendues. On pense à bien rentrer son pied droit vers l'intérieur pour faire travailler la fesse droite et bien sentir que ça travaille. On replie ses jambes à 45 degrés environ et on va commencer comme tout à l'heure, ouvrir puis refermer. C'est parti pour 10 répétitions. On ouvre, on referme, on ouvre, on referme. Nos pointes de pied se touchent, nos genoux s'écartent bien, nos abdos sont serrés, soufflés. Venez vous allonger sur le dos, on va refaire le tout premier circuit.
genoux pliés à largeur du bassin, on va cette fois-ci travailler notre fesse gauche. Jambes gauche tendues vers le ciel, on décolle le fessier et c'est parti, pied flex, on descend, pointe de pied tendue, on replie la jambe et on remonte. On enchaîne pour 10 répétitions, pied flex, battement, pointe de pied tendue, on replie et on déroule. Ainsi de suite, contractez bien les fesses, on les garde le plus haut possible. Attention, on garde la jambe tendue vers le ciel, pointe de pied tendue et c'est parti pour 10 rebonds. Ça brûle, c'est normal, tenez bon. On enchaîne avec les battements, pied flex, on descend, pointe de pied tendue, on remonte, 10 répétitions. Inspirez, essoufflez. Reposez votre pied gauche sur le sol, rabaissez votre fessier. On va réaliser les 10 soulevés de bassin. On décolle, on force la contraction et on redescend. On effleure le sol et on remonte. Tenez bon, on approche de la fin de cette séance. Attention, on garde les fesses contractées en l'air, on reste gainé en haut pour 10 secondes. Tenez bon, soufflez. Tournez-vous et venez vous allonger sur le ventre. Venez placer vos mains sous votre menton, collez vos pointes de pied et écartez vos genoux. C'est parti, on décolle les genoux du sol et on repose. On contracte le fessier pour soulever le plus haut possible à chaque fois. On réalise 10 répétitions. Puis on va rester en l'air et tendre les jambes et tenir en gainage en l'air comme ça, 10 secondes. Vous pouvez écarter vos bras si vous le souhaitez. C'est comme vous préférez. Puis on enchaîne avec 10 rebonds. On rebondit en l'air, on tient bon. Nos fesses sont contractées à fond. C'est bientôt terminé. Et on termine avec un dernier exercice. Nos pieds se touchent puis s'écartent 10 fois. Tap, 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 on tient bon. Soufflez bien. Et c'est terminé. Reposez vos jambes, resserrez-les. Venez placer vos paumes de main au niveau de votre poitrine. On va pousser sur nos mains et venir s'étirer en chien tête en l'air. Nos cuisses sont décollées du sol, nos épaules sont baissées, menton relevé, ventre rentré. On inspire et on souffle. On se détend. Puis pivotez sur vos pointes de pied pour basculer en chien tête en bas. Marchez une jambe puis l'autre, essayez d'enfoncer peu à peu vos talons dans le sol. Inspirez, soufflez et souriez. Puis rapprochez tout en douceur vos mains de vos pieds. Pliez vos genoux pour protéger votre dos. Je m'avance plus au centre de mon tapis pour que vous voyez mieux. Venez plier une jambe puis l'autre. Essayez de vous étirer tout en douceur. Puis venez déposer votre main droite sur le tapis. Pliez votre jambe droite aussi. Et déroulez votre bras gauche vers le ciel. Votre jambe gauche reste tendue. Si possible, regardez vers votre main gauche, donc vers le ciel. On effectue une torsion, puis revenez vers le sol et même chose de l'autre côté. Prenez votre temps, posez votre main gauche sur le sol, pliez le genou gauche, puis gardez la jambe droite tendue et déroulez votre bras droit vers le ciel.
Cette posture est aussi idéale pour booster la digestion. Inspirez, soufflez, détendez-vous. Puis pliez vos deux jambes et venez vous dérouler en douceur jusqu'aux épaules. Puis venez vous asseoir de nouveau sur votre tapis, genoux pliés à l'avant du bassin. Prenez le temps de souffler et de vous relaxer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance avec moi. J'espère que ça vous a plu. Ma dernière vidéo postée était un peu différente, un vlog d'une journée dans mon assiette. Et apparemment, ça vous a plu. Alors je vais essayer d'alterner les vidéos de sport et les vidéos plus de type blog lifestyle. On se retrouve très vite pour une prochaine séance de YoFit. Prenez bien soin de vous et bon courage.